the attack. I am seated with Christ. Hey. Yes, I'm justified. He paid the price. And he said, Yakare. 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 Oh, Yakare. Yes, nous sommes toujours en train de prier. Je voudrais prier pour vous maintenant. J'entends le bruit des chaînes. Je ne les vois pas, mais j'entends le bruit des chaînes. Et je ressens dans mon esprit que c'est des chaînes qui représentent des jours de retard, qui retiennent des gens et ne les laissent pas avancer. Je prie pour vous en ce moment que le feu tombe sur chaque individu, chaque famille. Que toute chaîne qui vous a maintenu dans la même position soit brisée maintenant, au nom de Jésus-Christ. À trois, un, deux, trois, soit brisée maintenant. Break now, break now. Let that chain be broken. 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 In the name of Jesus, the Son of the Living God, all kinds of chains. Anti-destiny spells be broken now. Toutes sortes de chaînes, que les chaînes contre ta destinée soient brisées maintenant. Alleluia. Au nom de Jésus-Christ. The Lord is asking me to pray. Le Seigneur me demande de prier. Vous avez connu une expérience étrange où des esprits démoniaques viennent vous visiter pendant la nuit. Ils prennent l'apparence de personnes, hommes ou femmes, peu importe. Lorsque de bonnes choses sont sur le point de se produire, écoutez-moi, ensuite vous vous couchez la nuit et cette agression se produit. Le lendemain, l'opportunité est simplement avortée. Je prie pour vous que le feu du Saint-Esprit soit maintenant déclenché. À tous ceux qui entendent le son de ma voix et sont victimes de cette agression démoniaque, à trois, soyez libérés maintenant. Un, deux, trois, soyez libérés. Soyez libérés maintenant. Be released right now. Be released right now. Be released right now. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Nous continuons à prier. Des rêves mystérieux. Vous vous voyez passer des examens sans réussir. Vous vous voyez au collège, au lycée, dans des maisons et des endroits que vous avez quittés il y a des années. Je vous dis qu'ils ont des implications prophétiques. Par le Dieu du ciel, tout ce qui vous relie à hier, à la malédiction d'hier, à la tragédie d'hier, oh mon Dieu, le feu tombe. Je décrète dès maintenant, soyez libérés. Soyez délivrés. Be delivered now. Soyez délivrés maintenant. Now. Be delivered now. We will sing hallelujah until you come again. We will sing hallelujah. Till you come, we will sing hallelujah. Till you come again, we will dance in your presence. Till you come again, yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, wanna be with you, just wanna be with you, King of glory. Just wanna be with you.
bless the world. Bow down and say you are God. I'm hearing the name Deborah. J'entends le nom Deborah. Deborah, who is Deborah? Qui est I'm hearing a name in my spirit. J'entends Deborah, ce nom dans mon esprit. Your time ton has come. Est arrivé. Malasco brande geberatus. You don't have to crowd. Don't worry. You just stand where you are. Deborah, this is what Deborah, I'm hearing. C'est ce que je suis en train d'entendre. Le Seigneur est en train de visiter une Deborah. La captivité est arrivée à sa fin. Au nom de Jésus-Christ, j'étends ma main. By the prophetic and the apostolic. Par le prophétique et l'apostolique. Deborah, the plague of witchcraft. Be broken now. Que la plaie de la sorcellerie soit brisée now. Sur Déborah. Be que cela soit brisé maintenant. Que la plaie de la sorcellerie soit brisée now. Sur Déborah. I set every altar speaking against Deborah on fire. J'envoie le feu on sur fire, tout autel qui fire, parle contre Déborah fire, maintenant. On fire. Let that altar catch fire now. Que cet autel prenne feu maintenant. Yes, the world. Bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. Yes, the world. Bow down and say you are God. Every man down and say you are King. Hold on. I'm hearing in my spirit, rebuke the curse that is upon firstborn. J'entends dans mon esprit, chasse la malédiction qui est sur les premiers-nés. Fire is going to fall here now. Le feu va tomber ici maintenant. Si tu es un premier-né, toute malédiction qui ne te permet pas d'avancer et qui fait que ceux qui sont après vous vous devancent, par le prophétique et l'apostolique, soyez délivrés maintenant. Soyez délivrés maintenant. Toute malédiction des premiers-nés, premiers garçons, première fille, premier enfant, qui lit ta destinée, qui ne te permet pas d'aller de l'avant. Ici, c'est Koinonia. Sois délivré maintenant. Bring them out. My God. Shataka barakatosiata. Yes, the world will bow down and say you are God. Keep praying, don't be silent. Continue à prier, ne soyez pas silencieux. Will bow down and say you are King. The curse of the firstborn be released. Soyez libérés de la malédiction des premiers-nés. Right now, why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Sing King of glory. King of glory, fill this Shabakatos Katiata. Ebrakatos Seketebalatos Yata. Hallelujah. Savez-vous ce que Dieu m'a montré quand j'ai commencé à prier? Dieu a fait paraître l'image de personnes et des diverses idoles qui les affligeaient. Je l'ai simplement vu au-dessus de leur tête. Je prie pour vous, tout ce que vos ancêtres ont adoré et qui vous afflige maintenant, surtout si vous étiez censé prendre la relève du sacerdoce. Le feu est en train de descendre sur vous en ce moment. Toute personne victime des conséquences de l'idolâtrie, criez maintenant Jésus. Shout Jesus right now. Criez maintenant Jésus. Shout Jesus right now. Shout Jesus right now. Every idol. Toute idole. Tout autel. Tout enchantement. Que le feu te consume maintenant. Tu es en état d'arrestation maintenant. The curse of idolatry. La malédiction de l'idolâtrie. Je continue à prier. La malédiction de l'idolâtrie. Tu ne savais peut-être pas qu'ils ont adoré des idoles. Ils ont tué des enfants pour servir ces autels. Et ceux qui mouraient étaient en train de prononcer des malédictions en disant que vos enfants ne réussiraient pas. Je viens par le prophétique. Tous ceux qui sont victimes des paroles de malédiction des hommes, des conséquences de l'idolâtrie, soyez délivrés maintenant.
Be delivered by mercy. Soyez délivrés Be delivered by par grace. La miséricorde de Dieu. Be delivered Soyez by délivrés mercy. Par la grâce. Soyez délivrés par la miséricorde de Dieu. Every parasco parita barantasiata. Every pattern. Tout schéma. Tout cycle négatif répétitif. Écoutez-moi, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le Dieu de mon alliance. Si quelque chose est un schéma dans votre vie, que ce schéma soit brisé maintenant. Que ce schéma soit brisé maintenant. Alors que vous criez Amen, qu'il soit brisé maintenant. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh ta-da-da-da-da-da-da. Tout programme contre ta famille, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le Dieu du ciel. Que le Dieu de vengeance visite ta fondation maintenant. Que le Dieu de vengeance visite ta fondation maintenant. Whatever you tolerate, tout ce que tu vas tolérer va continuer à prendre de l'ampleur dans ta vie. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Au nom de celui qui est au-dessus de tout nom, que le Seigneur t'apporte la guérison de façon permanente. La guérison de façon permanente. Place ta main sur ton corps maintenant. Si tu crois en Dieu pour un miracle de guérison, place ta main sur ton corps maintenant. Place ta main sur ton corps et je veux que tu puisses croire. Koinonia est un endroit de guérison. Place ta main sur ton corps et je veux que tu puisses croire. Je veux que tu puisses croire. I want you to believe. I want you to believe. Jesus still heals. Jésus guérit toujours. Jésus délivre toujours. Merci Père. J'étends ma main maintenant au nom de Jésus-Christ. Who is the Son of the Living God? Qui est le Fils du Dieu vivant. Every devil, every demonic spirit that is back. Que tout esprit démoniaque derrière toute infirmité, qu'il s'agisse de maladies liées au sang, liées aux os, problèmes d'organes, problèmes de mobilité, peu importe la forme ou la manière, toute contribution de tout esprit impur à votre état de santé actuel, à votre statut de santé actuel, au nom de Jésus, nous éliminons cette influence de votre corps maintenant. Que la puissance de cet esprit quitte votre corps maintenant. Criez Amen d'un croyant. I decree right now. Je décrète maintenant. Il nous a été commandé de guérir les malades. Et j'étends ma main au nom de Jésus, qui est mort et ressuscité. Be healed now. Soyez guéris maintenant. My God. I just sense fire, oh mon Dieu, je viens juste de ressentir littéralement le feu quitter mes mains. Soyez guéris maintenant. Now. Soyez guéris maintenant. High blood pressure, be healed now. Soyez guéris maintenant de l'hypertension. Soyez guéris maintenant du sida. Bone problems, be healed now. Soyez guéris maintenant des problèmes osseux. Vous ne pouviez pas marcher. Levez vos béquilles et commencez à marcher maintenant. Bone problems, be healed now. Soyez guéris maintenant des problèmes osseux. Ear problems, be healed now. Soyez guéris maintenant des problèmes d'oreilles, des problèmes d'huile. Problems, be healed now. Soyez guéris maintenant des problèmes de foie. Lumps. Problèmes de poumons, tumeurs et toutes sortes de protubérances autour de votre corps. Je commande maintenant que cela meure. Il y a quelqu'un qui a un gonflement quelque part à l'intérieur de votre bouche. Je ne sais pas où cela se trouve, mais au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit maintenant de manière surnaturelle. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui a une croissance autour de sa zone intime. Vous avez essayé de traiter cette chose. Cela vous a causé des douleurs atroces et une gêne. Mais j'étends mes mains. Le Seigneur vous guérit maintenant. Vous étiez en train d'utiliser un bâtonnet en coton ou un coton-tige.
Et il s'est déplacé à l'intérieur. Depuis ce moment-là, vous avez eu des douleurs et des inconforts dans votre oreille. C'est l'oreille droite. La puissance de Dieu vous touche maintenant au nom de Jésus. La partie gauche de votre narine a un problème. Il y a une sensation très inconfortable. Vous avez cela depuis des années. Cela persiste depuis des années. La partie gauche de votre narine. La puissance de Dieu vous touche en ce moment au nom de Jésus-Christ. Il y a une dame ici, vous n'êtes pas enceinte, mais vous avez des symptômes d'une femme enceinte. Votre ventre n'a pas gonflé, mais lorsque vous lisez ce qui arrive à une femme enceinte, surtout pendant le premier trimestre, ce sont des choses qui vous arrivent. C'est une chose démoniaque. Je prie pour vous maintenant pour que vous soyez délivré de cette expérience négative. Avec votre œil droit, vous n'êtes pas capable de voir. Il y a une sensation de brûlure. Soyez guéri maintenant. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est des hémorroïdes, mais vous ne pouvez pas vous asseoir confortablement sur une chaise pendant longtemps. Vous commencez à ressentir une douleur sévère et inconfortable. La puissance de Dieu vous touche maintenant. Il y a quelqu'un, vous avez été informé à l'hôpital, je ne sais pas quel organe, peut-être votre cœur ou autre, qui est entouré de graisse. Et vous aurez peut-être besoin de soins médicaux, sinon cela va vous nuire. Je prie pour cette personne en ce moment, au nom de Jésus, que la miséricorde vous trouve. Il m'est arrivé de prier pour ce cas et le Seigneur me le montre à nouveau. Vous avez un grave problème de ronflement. Que vous soyez allongé ou assis, dès que vous dormez, vous ronflez si fort que les gens autour de vous l'entendent. C'est très gênant. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais. Il y a un problème médical, je crois, pour cela. Mais Dieu veut guérir cette personne maintenant. Au nom de Jésus, quel que soit ce qui entoure votre système respiratoire, responsable de cet inconfort et de cette anomalie, soyez guéri maintenant. Be healed from it now. Le Seigneur me demande de parler dans la vie d'une femme. Vous êtes mariée, mais vous n'avez jamais pu tomber enceinte. Ce n'est pas que vous avez perdu une grossesse. Cela ne s'est jamais produit, jamais. Vous n'avez pas pu tomber enceinte. Au nom de Jésus, où que vous soyez, à l'extérieur, à l'intérieur, ou connecté en ligne, en raison de cette prière, que la puissance du Saint-Esprit repose sur vous maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit repose sur vous maintenant. Il y a quelqu'un ici, je dois prier pour vous. Vous perdez vos dents et vous en avez perdu un certain nombre, un nombre significatif. Et si je ne prie pas pour vous, ils vous ont dit à l'hôpital que vous avez une maladie qui se propage littéralement et que vous risquez de perdre toutes vos dents. Au nom de Jésus, où que vous soyez en train de suivre, ou ici sur place, soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit. Si vous êtes venu avec une photo ou un point de contact d'une personne malade, élevez cela, je prie maintenant. Que ce soit les photos de vos proches, des rapports médicaux qui sont élevés, les téléphones, au nom de Jésus-Christ, j'apporte la puissance de guérison sur ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, criez un amen d'incroyant. Encore une fois, le Seigneur me montre quelqu'un qui a une sensation d'étouffement lorsqu'elle va au lit. C'est comme si un esprit venait vous étrangler. Vous devez vous débattre pour vous réveiller. Je vous libère par la puissance du Saint-Esprit. Je vous libère par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de libérer quelqu'un du bégaiement. Soyez libérés maintenant. Il y a un jeune homme qui n'est pas capable de se courber en avant. Vous êtes jeune. Mais c'est comme si vous aviez 60 ans. Vous n'êtes pas capable de vous baisser en avant, en arrière. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu vous touche. À présent, que je mentionne votre cas ou pas, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, recevez votre guérison maintenant. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen.
Les mains qui sont levées, aucune puissance ne pourra les rabaisser. Vos mains représentent votre productivité. Les mains qui sont levées, aucune puissance ne pourra les rabaisser. Que ce soit par la sorcellerie, par la méchanceté des hommes, quelles que soient les contre-attaques, aucune puissance ne pourra rabaisser vos mains. Aucune puissance ne pourra vous faire taire. But they will not sustain the ability to diminish your influence. Ils se rassembleront certainement, mais ils n'auront pas la capacité de diminuer votre influence.